L'hôtel chez Monet se situe sur un terrain de 2 hectares et demi, 92 chambres réparties sur des chais d'origine et deux nouveaux bâtiments entourés d'une structure métallique qui rappelle les ceps de vigne. C'est le dernier mois avant la finalisation de ce projet. C'est une étape toujours compliquée parce qu'il y a beaucoup de corps de métier qui travaillent ensemble, puisque les peintres, les électriciens, même les menuisiers finalisent toute leur mise en place. Et nous, en même temps, on met, comme vous pouvez voir dans cette chambre qui commence à être aménagée, tout le mobilier au fur et à mesure. Dans cette junior suite, les poutres d'origine ont été conservées. Des contraintes techniques auxquelles il a fallu s'adapter. En fait, on a fait une combinaison de différentes chambres et de différents aménagements pour pouvoir présenter des produits un petit peu atypiques, comme cette chambre qui est plutôt en long, hein, pas très large, mais qui bénéficie de deux terrasses ensoleillées en loggia. À l'extérieur, la plupart des travaux sont terminés. L'essentiel de l'activité se concentre sur des points stratégiques comme le jazz bar. Là, on est en train de monter un bar, donc il faut mettre toutes les machines, les frigos, les éviers, toutes les arrivées qui doivent s'installer. Et en même temps, vous le voyez aussi, il y a toute la partie décoration qui est en train de travailler. Donc on a beaucoup d'intervenants en même temps qui se superposent pour pouvoir garder notre timing. Plus de 360 ouvriers s'affairent aux dernières finitions. La piscine de l'hôtel est presque terminée et le chai cathédrale connaîtra une nouvelle jeunesse pour l'ouverture au public prévue à la fin du mois de septembre.